Bonsoir à tous et bienvenue pour cette belle fête de l'Ascension du Seigneur. Nous sommes rassemblés là pour permettre aux autres d'avoir sur le site paroissial une célébration où ils retrouvent des visages connus. Nous sommes là pour être en communion avec tous ceux qui effectivement regarderont cet enregistrement. Nous sommes là aussi pour prier ensemble pour tous ceux qui n'ont ni accès à un Internet, ni accès à une église, qui sont encore dans le confinement plus ou moins complet. Nous sommes rassemblés dans la joie, parce que c'est une fête de joie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous pouvons entrer dans cette célébration en chantant la résurrection du Christ. Thank you.
pardonne nos péchés et par son amour nous prépare à le rejoindre un jour dans la vie éternelle. Amen. Amen. Pardonnez, cœur renouvelé par cet amour de Dieu, nous pouvons chanter sa gloire. L'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux.
Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père
Celui qui reçoit les commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Il s'était retiré pour laisser l'univers poursuivre son évolution suivant le principe qu'il avait établi pour lui, laissant ainsi toute liberté à l'humanité de se construire un avenir. Tu as fait comme sont invités à faire les papas, les pères et les mères aussi d'ailleurs. Ayant tout donné à ses enfants pour leur permettre de réussir leur vie, il y a un moment où il faut lâcher la prise en laissant et en acceptant que ses enfants fassent eux-mêmes leur choix, tout en espérant bien qu'ils gardent quelque chose de l'amour qu'on leur a toujours porté et qu'on continuera à faire, et aussi de l'éducation qu'on leur a donnée et transmise. Et bien ainsi, depuis toujours, Dieu a voulu faire confiance à l'humanité. Et au moment de l'ascension, et bien Jésus fait exactement la même chose. Jésus qui inaugure une nouvelle création avec sa résurrection, fait de même avec nous. Il nous fait confiance, il fait confiance à ses disciples et il leur donne son esprit pour les faire entrer en communion avec lui dans l'amour du Père. Avant de se séparer d'eux, il leur a d'abord donné une mission. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à observer ce que je vous ai commandé. Et puis il fait une promesse. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, la fin du monde. Un mythe? Une utopie? Une menace? Depuis quelques décennies, l'humanité a bien pris conscience que son avenir était menacé et qu'il était essentiel de se rappeler qu'il était lié à l'avenir de la planète tout entière. Et nous devons prendre soin d'elle, prendre soin les uns des autres, pour que nous puissions permettre par le bien commun, que toute l'humanité marche ensemble plus vite. Alors, pendant le confinement, les témoignages, les journaux, la télévision, ainsi de suite, chacun parlait du monde d'après.
C'est vrai. Le monde d'après. Où il faudra se réinventer, changer bien des choses, pour faire advenir un monde juste, un monde de paix, de relations, de partage. Pour nous les chrétiens, c'est le royaume de Dieu qui doit venir. Mais alors, on se rappelle au confinement que déjà, qu'est-ce que nous voyons ? La concurrence entre les deux tenteurs du pouvoir, la reprise de la loi de l'économie et de la finance, le politique qui veut reprendre en main la logique parfois déshumanisante et méprisante du commun. Et puis il y a aussi le désir individuel, la sauvegarde de notre privilège, de notre confort, de notre niveau de vie. Et déjà tout ça emporte bien loin la belle espérance du monde d'après, du monde nouveau. À moins que. En tous les cas, nous sommes un peu comme les autres. Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume ? Ouais, c'est notre question à nous aussi. Les apôtres, ils attendaient que Jésus rétablisse le royaume et se posaient peut-être pas cette question de comment ils y participeraient. Ils sont impuissants et nous aussi encore. Alors Jésus nous invite à la confiance, en lui d'abord, dans l'esprit ensuite, cet esprit qui est répandu sur toute l'humanité, et qui nous appelle à nous laisser habiter par lui, et nous invite à nous laisser agir par lui. Car si nous agissons seuls, alors nos capacités sont limitées. Mais si nous agissons, nous, au moins les chrétiens, avec cet esprit de Dieu qui nous aide tous, peut-être que nous ne changeons pas beaucoup de choses et peut-être que nous donnerons envie à d'autres de croire que le changement est possible. Et oui, à la question posée, quand est-ce que tu rétablis ton royaume ? Jésus dit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a passé dans son autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Mes témoins. Et donc, nous avons la force de participer déjà et d'anticiper ce monde nouveau. C'est bien pour inaugurer ce monde nouveau, cette nouvelle création, que Jésus a donné sa vie. Et c'est bien sa résurrection qui est le signe de la présence déjà maintenant, en germe bien sûr, de ce règne de Dieu et de ce monde nouveau. Et c'est alors, pas seulement de le faire, mais d'abord de notre témoin. Par notre façon de vivre, nos choix et nos orientations. Dans l'aujourd'hui où nous sommes, je vous invite maintenant à écouter cette lettre de saint Paul aux Éphésiens. La lettre de saint Paul aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qui ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable
il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance, domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds en le plaçant plus haut que tout. Il a fait lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. Lui, que Dieu comble totalement de sa plénitude. Alors pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Frères et sœurs, nous sommes invités à proclamer notre foi. Nous prenons ce credo qui est un héritage très ancien que nous avons en commun avec tous les chrétiens d'Orient. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous, Poncila, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'a pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé à mes prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour cette fois que nous avons proclamé avec tous ceux qui regardent à la télévision sur les différents réseaux possibles la messe aujourd'hui, tous ceux qui célèbrent dans les différents villages, nous allons pouvoir adresser notre prière au Seigneur pour toute cette humanité en marche vers la venue de son royaume. Thank you.
dans l'organisation de la cité et du vivre ensemble, ose des chemins audacieux, peu respectueux des plus fragiles de nos sociétés.
travail des hommes. Nous te le présentons qu'il devienne pour nous le pain de ta vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et avec vous, nous te prions, Seigneur, que notre sacrifice se trouve grâce à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons l'humble sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, le monde de cœur. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple du baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la fit passer à ses disciples en leur disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Prions bien sûr pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, en face, nous t'implorons. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et par lui. Amen. À toi, Dieu le Père le puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Que ton œuvre et toute gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il l'a répété chaque fois et chaque fois qu'il est apparu ressuscité à ses disciples. Cette paix, il nous la confie et son esprit nous aide à la répondre. Alors, frères et sœurs, nous tournons les uns vers les autres par un regard. Nous partageons la paix du Christ. Que la paix du Seigneur soit toujours à nous.
Visionneront sur le site de la paroisse. Allez, à la paix.